Tu me dis quand ça part? Carcasse de carte, ce sera plus. C'est parti. Bonsoir, donc je remercie déjà beaucoup SES Éducation de m'avoir invité ce soir à venir vous parler de littérature jeunesse. Moi, c'est un problème qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, puisque je suis maintenant une jeune grand-mère, donc il y a plusieurs générations qu'on parle livre de jeunesse chez nous. Quelle est sa place maintenant dans la vie de nos enfants ou de nos petits-enfants? On va essayer de le définir et puis comme toujours, on va faire un tout petit saut en arrière pour évoquer l'histoire un peu du livre de jeunesse parce que ce sont des histoires intéressantes que vous pourrez raconter d'ailleurs aussi autour de vous si vous animez une bibliothèque par exemple ou si vous enseignez. Donc en fait, en France, le premier témoignage de littérature jeunesse, bien, il remonte à l'époque carolingienne, pas d'hier. C'est un manuscrit qui date de 843, intitulé Manuel pour mon fils, et c'est donc le premier livre qui nous est resté écrit pour être lu par un enfant. Donc c'est un texte qu'on doit à une princesse de Septimanie qui est en exil, la princesse Duoda, et elle dicte parce qu'elle ne n'écrit pas, elle dicte un texte en latin à son clerc et l'envoie à son fils Guillaume. Et c'est un manuscrit qui est aujourd'hui à Barcelone. Donc le premier livre imprimé, lui, à l'intention des enfants, il s'appelle Orbis Pictus. Il paraît en 1658, donc on a un grand pas en avant. Il sort en latin et en allemand, et c'est donc une nouveauté pédagogique puisqu'on abandonne le latin seul. C'est un texte bilingue avec des gravures sur bois. Donc c'est une encyclopédie illustrée qui est due à un tchèque, Comenius, et qui est traduite en français peu de temps après, en 1666. Vous imaginez bien que ce livre ne va pas être disponible en un nombre infini d'exemplaires, mais c'est déjà un livre pour les enfants. On voit arriver au XVIIe siècle quelques textes écrits pour les enfants. Bonsoir, mais prenez place. Donc les premiers textes sont ceux de Racine, par exemple, comme Esther et Athalie, qui sont écrits pour les demoiselles de Saint-Cyr, donc qui vont les jouer, les mettre en scène. Et puis le premier roman vraiment éducatif est signé de Fénelon. Ce sont les aventures de Télémaque en 1694 qu'il dédicace donc à son jeune élève, le duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV. Cela dit, à part ces quelques exemples, on voit bien que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, il y a peu de place pour les livres d'enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants qui apprennent à lire le font dans des abécédaires, dans des livres de morale ou des catéchismes. Et puis ensuite, en vogue la galère, s'ils aiment lire, si ça mord un petit peu, ils lisent à peu près ce que lisent les adultes. D'autant plus que le niveau de lecture n'est pas corrélé avec l'âge des lecteurs. On peut apprendre à lire à n'importe quel âge. 15 ans, 20 ans, c'est pas choquant du tout. Si on a l'occasion d'apprendre à lire, on se rattrape, on prend quelques leçons et on apprend à lire. Donc ces tout jeunes lecteurs débutants, je dirais, vont lire des images légendées, des sortes d'images d'épinal, par exemple, imprimées à partir de bois gravés, coloriés au pochoir, et qui vont se développer avec les progrès techniques, notamment de la lithographie. Ils vont lire des histoires de chevalerie, les contes de Perrault, les voyages de Gulliver, etc. Il faut donc attendre ensuite le milieu du XIXe siècle pour voir publier des livres, des vrais livres d'étrennes, des livres de prix et des manuels scolaires en grande série. Là, les imprimeurs commencent à travailler en série, et puis on va voir cette très drôle histoire de la naissance de la Bibliothèque Rose. Mais pourquoi en fait? Parce que Louis Hachette et Eugène de Ségur sont amis. Et Eugène de Ségur, c'est le président des chemins de fer de l'Est. Et sa femme, elle écrit des livres. Et bien, pourquoi pas ne pas les vendre dans les gares pour occuper les enfants pendant les voyages? Donc la comtesse de Ségur profite de l'invention du chemin de fer pour vendre ses petits romans dont on se souvient tous. À côté de Hachette, on a évidemment Jules Hetzel qui va publier, lui, les Jules Verne, 68 romans de Jules Verne dans des éditions aussi luxueuses et variées. Et donc un 19e siècle qui nous laisse des livres absolument superbes, donc ces livres de Hetzel, les livres de Maurice Boutet de Montvel, les livres de Job, etc.
Il faut dire aussi qu'on a envoyé aux oubliettes un très grand nombre de titres. Si de temps en temps, dans un grenier d'une vieille tante, vous en trouvez un ou deux, ils ne vous laisseront pas de souvenirs exaltants. Donc la majeure partie en fait des livres de jeunesse ne vivent pas plus d'une génération. On va sauter quelques décennies et on va voir deux célébrités des années 30, Babar notamment, 1930 déjà, qui sort du cercle de la famille Brunhoff, et puis le père Castor, dont les albums continuent à être vendus et à faire le plaisir des enfants. Seule chose un peu dommage, c'est qu'ils rétrécissent pour des questions économiques. Les Babars, on a supprimé des pages dans les grands Babars d'autrefois, maintenant il manque des pages. Et puis les pères Castor aussi deviennent tout petits. Donc on arrive à l'après-guerre. L'après-guerre, évidemment, tous les enfants vont à l'école depuis un moment. Et ces enfants du baby-boom vont dévorer des séries, souvent traduites de l'anglais et écrites un peu aussi en série. Donc les Clubs des 5, les Clans des 7, les Alice, etc. Avec pour le français, donc les livres écrits en français, les livres de Langelot, du lieutenant X, qui a dévoilé ce X maintenant, puisque tout le monde sait que c'est Vladimir Volkov, et puis Pierre Probst, avec notamment ses Carolines, entourées de tous ses amis animaux. Donc tout cela vous semblera peut-être un peu poussiéreux, mais les enfants toujours à ces livres-là, on ne doit pas les oublier, on les trouve plus facilement dans les brocantes et les greniers. 1965, grand coup de pied dans la fourmilière, la fondation de l'école des loisirs. J'étais ce matin à l'inauguration de l'exposition sur ces 50 ans de l'école des loisirs. Allez-y, c'est au musée des arts décoratifs. C'est très amusant, on peut y aller avec des enfants, c'est très bien fait, il y a beaucoup d'originaux, des livres aussi à lire au fur et à mesure, des petits montages, c'est très sympathique. Mais donc, on change un peu, on bascule dans les conformismes, hein, de la morale petite bourgeoise et chrétienne, on bascule souvent, après 68, dans un autre conformisme. Pourquoi notamment ? Parce qu'en fait, à cette date-là, les commandes des collectivités vont dépasser celles des familles. Donc, ce sont les écoles et les bibliothèques qui vont acheter, ma foi, ce qui est dans l'air du temps. Et l'air du temps, il est très, très agité à certaines époques. Et puis, en 1970, arrive le livre de poche jeunesse. Il était déjà bien dans les mœurs des familles pour la littérature courante, et puis les littératures aussi des polars, etc. Mais 70, c'est la littérature, les livres de poche jeunesse. Et donc, à ce moment-là, vraiment, la lecture pour de jeunesse est totalement démocratisée. Tous les enfants peuvent lire. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, je crois qu'il sort à peu près 9000 titres nouveaux par an, 9000 titres à destination des jeunes lecteurs. Donc, plus de la moitié sont des traductions de l'anglais. S'ajoute bien sûr le stock, hein, c'est-à-dire tous les titres non épuisés des années précédentes. Et la littérature jeunesse en France représente 13% du marché global de l'édition. C'est un gros, gros morceau qui fait bien plaisir aux éditeurs parce que ça met du beurre dans leurs épinards. En revanche, dans le budget des ménages, eh bien, la part consacrée aux livres et à la presse diminue et elle a diminué d'un tiers depuis 1970, ce qui est quand même énorme. Donc, encore une fois, qui va assurer le point d'équilibre ? Eh bien, les collectivités, les écoles et les bibliothèques. Sachant que, alors j'ai pas les chiffres pour la littérature jeunesse, mais les bibliothèques prêtent 143 millions de livres par an en France. Donc c'est énorme. Donc tout public confondu, adultes et jeunesse. Donc à partir de ces quelques données un petit peu historiques, on va se demander finalement, mais cette littérature de jeunesse, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc il y a plusieurs choses bien sûr. Tout d'abord un patrimoine classique qui est peut-être on peut dire détourné puisque beaucoup de textes n'ont pas été écrits pour les enfants mais ils leur ont plu d'emblée donc on considère pour nous que c'est de la littérature de jeunesse. Pas forcément, les contes notamment, eh bien ils font partie de la culture orale, ils sont souvent terribles. Ils ont été racontés par les veillées, racontés par les nourrices sur une structure fixe, non fixe justement, une structure pas très défini, mais le narrateur va broder, inventer, élaguer, et puis impliquer les auditeurs au fil du récit. Et ce sont bien sûr les contes qui se prêtent le plus à la réécriture. Et quand vous choisissez des contes pour les enfants, méfiez-vous un petit peu de la façon dont ils ont été adaptés. Quelquefois, on a de vagues souvenirs du conte d'origine, alors qu'en fait, le conte d'origine est très facile à lire. Un conte de Grimm d'Andersen, il est parfait, il est très très bien fait. Pourquoi aller chercher des espèces de mièvreries à côté ? C'est pas forcément la peine.
Alors, les grands auteurs, maintenant, qui plaisent aux enfants, parce que c'est bien gentil de leur proposer de la littérature, mais faut-il que ça leur plaise. Donc, le plus grand gagnant avant Jules Verne, eh bien, c'est Jean de La Fontaine. Avant Jules Verne, hein, donc jusqu'à la première moitié du 19e, il avait vendu 750 000 exemplaires, quand même, notre brave fabuliste. Ça n'était pas rien. Et puis maintenant, on a dans la littérature contemporaine de nombreuses œuvres qui naviguent du rayon adulte au rayon jeunesse. Je pense par exemple à L'homme qui plantait des arbres de Giono, il n'est pas écrit pour les enfants, certains romans de Saint-Exupéry, des Maurice Leblanc aussi, etc. Donc tout ça navigue un petit peu des deux côtés. Les éditeurs se sont aussi vite aperçus de l'intérêt porté par les enfants à la tradition antique et médiévale. Il est évident que l'Odyssée, la chanson de Roland, les quatre fils Aimon, le roman de Renard, Gargantua, tout ça, ça fait un bon fond d'édition. Et on va donc s'interroger sur les traductions et les adaptations, parce qu'on ne propose évidemment pas tout le texte aux enfants. Donc, on va se demander si le texte est intégral, raccourci ou adapté, dans quelle langue et quel est l'original il a été écrit, et puis quelle est la valeur de la traduction. Alors, pourquoi on adapte, pourquoi on abrège? Eh bien, d'abord, parce que souvent, c'est un peu long. Lire l'Odyssée d'un seul coup, il faut bien déjà avoir une bonne base de culture classique, et puis il faut avoir le temps. L'Arioste, Cervantes, maintenant, on ne les lit plus beaucoup, mais on les a beaucoup lus, Rabelais, la geste arthurienne, etc. Tout ça, ça ne nous choque pas trop que ça soit finalement raccourci. En revanche, Victor Hugo et Jules Verne, bon, il y a certains parents ou professeurs que ça a un petit peu choqué. Moi, j'ai vu certaines adaptations de Victor Hugo, c'est lisible. On ne manque pas trop d'épisodes, c'est possible. Alors, on a abrégé ou adapté pour trois raisons. Des raisons morales, pour faciliter l'accès au texte, et puis pour des raisons économiques. Alors, des raisons morales, bien parce que certains textes pourraient choquer dans leur version originale. Donc, on a toujours élagué les allusions liées notamment à la violence ou à la sexualité. Ça fait partie des habitudes. On attendra que les enfants soient grands pour entendre certaines choses. Bon. Ensuite, parce que justement, ces textes dont je parlais, les textes bibliques, l'Odyssée, les textes arthuriens, on les a traduits, adaptés, soit avec des coups de ciseaux, donc bien placés, avec un montage, c'est le choix un petit peu qu'a fait l'école des loisirs, soit une réécriture pure et simple. On réécrit d'un bout à l'autre. Je trouve que c'est quelquefois un petit peu choquant de se mettre à la place d'Homère. Mais bon, donc les classiques abrégés de l'école des loisirs, on a Virgile, on a Dante, on a Moby Dick, etc. C'est bien, c'est pas pourquoi pas. Les adaptations commerciales, purement commerciales, là c'est un petit peu autre chose. Les malheurs de Sophie, on les a allégés. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait surtout pas montrer qu'il y avait des familles bourgeoises plus bourgeoises que d'autres, surtout pas montrer qu'on allait à la messe le dimanche, donc on a carrément censuré. Et censurer les malheurs de Sophie, bon, c'est un petit peu dommage quand même. Ensuite, on a notamment tout ce qui a été adapté par les dessins animés ou les bandes dessinées, les Cendrillon, les Alice au Pays des Merveilles, les Pinocchio. Il y a beaucoup de pacotilles, surtout dans les linéaires des grandes surfaces. Il faut dire que c'est quand même le premier lieu où on va acheter les livres de jeunesse maintenant. Dès qu'il y a dessin animé, bande dessinée, on a réécriture. Hein, forcément, réécriture pour les 3-5 ans, pour les 5-7 ans, pour les 7-9 ans. Enfin, c'est très, très ciblé, très marketing. Bon, donc il y a un consensus sur ces histoires-là, elles sont souvent pas illustrées à partir d'extraits des films, je veux dire que c'est assez médiocre, et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Ensuite, comment passera-t-on de la langue, de la culture d'origine à celle du jeune lecteur? On a donc très vite traduit en français, puisque les Voyages de Gulliver sont parus en 1726, sont traduits l'année suivante. Donc 1727, les petits Français peuvent lire les Voyages de Gulliver. Mais ensuite, on va faire des traductions libres, évidemment. Notamment, les prénoms vont être francisés. Ça vaut mieux pour Fifi Brin d'Acier, puisque son nom dans l'œuvre originale, c'est, je ne prononce pas forcément bien, Pippi Langstrumpf. Alors le Pippi Langstrumpf, vous imaginez les rires dans le soir au pied du lit. Un autre exemple intéressant, c'est celui de Nils Holgersson, parce que Selma Lagerlöf elle-même avait accepté qu'on refasse une adaptation de son livre pour supprimer, je ne sais pas si vous l'avez lu en version complète, avait supprimé tout ce qui était géographie purement suédoise, parce que c'est vrai que les hauts fourneaux, les champs de seigle, ça va quand on habite en Suède et encore, mais pas forcément
pour un public non suédois. Et d'ailleurs un petit aparté à côté de comparer un peu Nils Holgersson autour de la France de deux enfants, qui est une œuvre totalement rationaliste, qui ne voit justement que l'histoire et la géographie, et il n'y a aucune allusion au conte. Le mot conte et le mot légende n'existent pas. C'est totalement Troisième République, laïque et obligatoire. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune mention faite au conte, alors que Selma Lagerlöf, elle, accepte ce patrimoine immémorial, elle l'accepte, elle l'entre dans son livre, et ça passe très bien, et on le lit aujourd'hui, d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Quand on a des textes traduits, on doit vérifier l'état de la linguistique de la traduction, surtout dans les traductions actuelles qui sont faites au kilomètre, mal relues, et on trouve quelquefois des formules syntaxiques pas très heureuses qui vont écorcher les... Bon, des petites choses, mais dans sa poche de pyjama, ben non, moi je dis la poche de mon pyjama. Des choses comme ça, mais bon, on a un français souvent aussi qui exclut toutes les formules idiomatiques. Ou toutes les références à des proverbes, à des expressions bien françaises. On ne mettra jamais les pieds dans le plat, par exemple. Enfin, tout ce florilège d'expressions va disparaître des traductions, donc c'est quand même un petit peu dommage. Alors, pour maintenant, on a quand même aussi beaucoup d'auteurs spécialisés aujourd'hui dans la littérature de jeunesse, énormément de titres, énormément d'auteurs. Et je pense que, justement, ce qui est intéressant pour les enfants, c'est d'être sensible, de les sensibiliser au fait que l'auteur vit dans la même, certains auteurs, de nombreux auteurs, à la même époque que lui. Il peut les rencontrer dans des salons du livre, il peut aller se faire dédicacer ou se faire un petit dessin dans un coin. La littérature, c'est pas un objet de musée, elle continue à vivre. Et donc, on n'a pas besoin de ce regard hérité des romantiques pour qui auteur est forcément écrivain. Je fais un petit peu la différence entre l'écrivain et l'auteur. Les auteurs de jeunesse sont de très bons techniciens. Ils savent canaliser leur imagination, avoir une langue abordable. Ils travaillent souvent très bien. Et leur écriture, évidemment, est contrôlée par les éditeurs. Donc, les éditeurs vont faire passer des tas de messages qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas dans leur livre. Et certains récits d'aventure ou romans historiques sont bourrés de messages idéologiques ou moraux. Je parlais tout à l'heure d'un livre qui sort chez un éditeur en littérature jeune adulte ou grands ados, qui fait la promotion de l'homosexualité féminine, masculine, enfin tout se mélange. Donc si vous aimez, pourquoi pas, mais ça ne sera pas sur la quatrième de couverture. La quatrième de couverture parle de la guerre de 14, de la difficile vie des petites jeunes femmes qui fabriquaient des munitions, etc. C'est très bien documenté là-dessus, très très bien documenté sur la vie dans les années 1912-1914, mais il faut savoir que derrière, il se passe des tas de choses. Bon, on n'est pas obligé. On peut aussi, par exemple, préférer les livres qui mettent en scène des familles nombreuses. Moi, j'aime bien les livres d'Arouvignaux, L'omelette au sucre, etc. C'est toujours très drôle. Et puis, on peut choisir des livres pour garçons et des livres pour filles, sans se faire des nœuds au cerveau. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on va quand même faire un petit peu attention. Je pense qu'on ne choisit pas les livres comme des boîtes de petits pois sur les rayonnages de son hypermarché. Alors évidemment, les critères sont les vôtres. Moi, je ne vais pas vous donner des listes, pas du tout, bien que j'ai un petit livre là-bas qui vous donne un petit peu un catalogue des grands classiques, et puis un blog Chouette un livre, qui vous propose 4 livres par semaine qui m'ont plu. Chouette un livre sont des livres qui me plaisent, pas tous les livres qui me plaisent, mais je ne fais pas de critiques négatives, donc c'est très rare que j'en fasse. Donc on va essayer de trouver une méthode pour... faire des choix, puisqu'évidemment on ne peut pas mettre 9000 titres par an dans la bibliothèque familiale, c'est un petit peu difficile. Même si on a beaucoup de place et beaucoup de sous, mais c'est pas forcément intéressant. Donc comment les livres d'enfants entrent à la maison? En fait, il y a en effet ces livres de passage qu'on emprunte à la bibliothèque scolaire ou la bibliothèque municipale, quelquefois aux petits amis ou aux cousins. Et en fait, les familles ont un usage très raisonnable des bibliothèques, puisqu'on y emprunte du consommable. Enfin, du consommable, des albums qu'on va lire très peu de temps, parce qu'ils coûtent d'ailleurs souvent cher. Un bel album enfant maintenant, c'est 15 à 16 euros facilement, donc c'est cher. Et donc, on va les emprunter, quelquefois sur une thématique bien précise, de saison par exemple, tout ce qui concerne la rentrée scolaire ou Noël.
pas forcément utile que ça encombre les rayonnages à la maison. Les bandes dessinées et les séries aussi, c'est bien pratique de les emprunter. Et puis, on a bien sûr des livres, les préférés, ceux qu'on aime à la maison. Quelquefois, on a un fonds familial de trésors vivants, plus ou moins abîmés, souvent même très abîmés, parce qu'ils ont servi de tremplin aux petites voitures ou de château fort pour s'envoyer des boulettes. Mais ceux-là, bien sûr, on les garde quelquefois précieusement avant de les confier aux petits. Malgré tout, moi je dirais que l'argument « c'est un livre que j'ai bien aimé quand j'avais 12 ans », c'est un argument qu'il faut un petit peu utiliser à bon escient, parce que finalement les enfants ne vont pas forcément relire ce qui nous a plu à nous. Ça, c'est pas évident, d'autant plus que souvent les livres sont imprimés dans un papier pas très joli, c'est écrit un peu serré pour leurs petits yeux, et pas beaucoup illustré. Donc les enfants, on va leur constituer leur bibliothèque, j'espère qu'ils ont un meuble dans leur chambre pour ça, et puis on va recevoir, leur offrir des livres, et des livres, et encore des livres, que ce soit pour la moindre varicelle ou les cadeaux d'anniversaire. Je sais que je fais toujours un stock pour mes belles-filles, pour que leurs enfants aient des petits cadeaux à offrir dans les ces goûters d'anniversaire qui égrènent l'année des enfants. Et bien, au lieu d'offrir un sac de bonbons, des petits livres à 2 ou 3 euros, ça se trouve. Et ce sont des cadeaux qui vont bien faire plaisir, même d'occasion d'ailleurs. On en trouve facilement d'occasion. Puisqu'en fait, qui va être prescripteur? Nous, les adultes, parents, grands-parents, parrains, marraines. Et on va devoir faire le tri justement entre... ce qui est commercial, ce qui va être un peu du bourrage de crâne, j'exagère peut-être un peu, mais enfin bon, la bonne littérature actuelle pour les enfants, et Dieu sait qu'il y en a, on va être obligé de faire un peu le tri. Et le tri non seulement dans les titres, mais aussi, il faut se poser la question des lieux de vente. Nous, on a l'habitude encore, un livre s'achète à la librairie. Eh ben non, le livre ne s'achète plus seulement à la librairie, il s'achète dans les stations-service, chez les antiquaires spécialisés, sur les quais, dans les vides-greniers, au supermarché, à la maison de la presse. Partout, en fait, on va trouver des livres d'enfants et pas seulement dans les librairies qui ont tendance à disparaître. J'en ai d'ailleurs dans les stations-service, j'ai repéré qu'il y avait souvent de très bons livres pour enfants, pas chers du tout. Donc, quand vous prenez l'autoroute, c'est pas impossible de feuilleter un petit peu ce qui traîne. Parce qu'en effet, nos librairies, elles vendent un quart de la production à peine. Ce qu'on appelle grande surface culturelle spécialisée, je ne fais pas de publicité, je ne dirais pas lesquelles, environ 22%. Internet, c'est déjà 10%. Et les hypermarchés, plus de 20%. Alors le vrai problème pour moi de la littérature jeunesse sur Internet, c'est que pour les albums, on ne peut pas les feuilleter. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Or, c'est comme ça que l'enfant va arriver dans le livre, c'est d'abord en le regardant, en y touchant. Voilà, si le format est beau, si le papier est beau, c'est mieux. Et même si les éditeurs font des efforts pour les présenter souvent sur leur site internet, on ne peut pas toujours feuilleter le livre d'un bout à l'autre, donc c'est un petit peu dommage. Et en fait, les circuits de diffusion sont différents. Vous ne trouverez pas les mêmes livres dans les hypermarchés et dans les librairies, pas seulement, parce que simplement leurs réseaux de diffusion ne sont pas les mêmes. Et puis on va voir des têtes de gondole avec des piles de livres hautes comme ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de pire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là aussi... Fantasy est traduite au kilomètre, on a ce qu'on appelle la littérature de poulette maintenant, les petits romans roses pour adolescentes, strass, paillettes, etc. Ça brille, c'est tout mou, bon, c'est pas non plus fascinant. Donc là, les adolescentes là-dessus sont servies plus que les garçons, puisqu'on sait que c'est les Madame Bovary en herbe, c'est des 12 ans, et là vous allez en voir des tonnes. Et puis cette littérature qui est maintenant cette littérature américaine qui est faite pour faire du bien. Alors on va vous présenter des adolescents malades, handicapés, orphelins, il y a eu un accident, etc. Mais ils vont surmonter tout ça grâce à leur énergie et tout va se terminer très bien. Donc si vous êtes un enfant normal, avec vos parents, votre radiateur bien chaud et votre couette, si vous êtes mollassant, prenez exemple sur ces enfants qui eux sont dynamiques. Ça c'est la littérature américaine actuelle, ça fait pas de mal mais on se finit par s'en lasser. Donc en fait, qui va savoir ce qui plaît aux enfants? C'est nous en fait, c'est nous parce que c'est nous qui les connaissons. Et puis je veux dire que le livre, on va le relier à la vraie vie parce que c'est un petit peu, ça fait partie de cette offre culturelle. D'un côté, vous avez le canapé avec les écrans, les chewing-gums, les boissons à bulles et les pizzas. Et puis de l'autre côté,
Vous avez les livres, les musées, les concerts, les visites, les monuments historiques, les journées du patrimoine. Ça fait un tout. Et vous avez notamment d'ailleurs de très belles librairies dans les musées d'ailleurs. Très belles, très beaux lieux de vente de livres. Et puis souvent après une visite, on a une petite récompense et pas forcément une gomme avec un crayon au bout. Ça peut être aussi un album à colorier ou un livre. Il y en a de très très sympathiques. En effet, bon, partout on parle de biodiversité, moi j'opte pour la bibliodiversité. Donc on doit dire que le livre est varié, divers, et plus il est différent, mieux ça vaut. Parce qu'en fait, quels sont les critères qui vont nous amener à bien choisir? C'est la partie suivante de mon exposé. Parce qu'un livre, je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus qu'un texte pour un enfant. C'est un objet. C'est un objet, d'autant plus qu'il dispose souvent de livres avant de savoir lire. On va leur offrir des livres en tissu, des livres en carton. Mais moi, j'aime pas du tout les livres qui font poup, poup, piap, piap, miau, miau. Parce qu'en fait, on doit dire la vache meugle, le chien aboie. On n'a pas besoin de caresser une espèce de peau en synthétique. Non, on sait qu'un chien a le poil dru, et donc tous ces mots, l'enfant va les comprendre, puisqu'un chien en a déjà caressé, un chat aussi, c'est bien de difficile autrement. Donc on va apporter du vocabulaire et non pas forcément du tactile en plus, ça reste dans le contact immédiat, et le mot, le texte est fait pour passer au-dessus de tout ça. Donc les livres avec de la musique ou un petit CD, d'accord, mais quand on doit choisir un livre pour un enfant, un livre en carton, ça suffit. Ou en tissu, mais il y en a maintenant qui sont en plus très 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 bien faits et très 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 colorés, qui attirent vraiment l'œil. Il vient de sortir un petit livre avec la comptine du grand cerf dans la forêt, qui frappe à lui, LHUIS, et non pas aujourd'hui comme dans certaines modernisations de la comptine. Donc on a les vrais mots. Et il est très joli ce petit album, très amusant. Donc pour aider à choisir des livres de jeunesse, parce que c'est quand même la grande question qu'on a, moi j'avais construit un petit carré magique. Un carré magique qui dit que le livre doit être beau, qu'il doit être écrit en bon français, qu'il va transmettre des fondamentaux de notre culture et qu'il doit être respectueux des valeurs de notre société. Donc le livre doit être beau d'abord, c'est un objet esthétique et si les éditeurs sont de plus en plus originaux pour attirer l'œil, eh bien le résultat n'est pas toujours à la hauteur. Donc on va prendre le temps de feuilleter le livre, de le regarder, et puis d'essayer d'éviter d'aller directement au livre de poche. Parce que moi je pense que ce qui est un peu gênant, c'est que tant que les enfants sont petits, qu'on leur lit des histoires, on a un bel album avec des belles illustrations, des grandes pages, et puis quand ils passent en CE1, CE2, top, on a des petits livres de poche grands comme ça, avec des dessins tout petits, et puis c'est pas beau, c'est moins joli, alors qu'on trouve les mêmes livres, souvent d'occasion, les contes de la rue Broca, notamment de Pierre Gripari, on les trouve avec les illustrations de Claude Lapointe, et c'est même quelquefois moins cher que le livre de poche, ou pas plus cher. Le Petit Prince, L'île au trésor, on peut s'offrir une belle édition pour toute la famille. Et là, les livres, les trois, la trilogie de Muriel Zach sur les, je sais pas si vous la connaissez, sur les feuilletons enfin, à partir de la mythologie, donc le feuilleton de Thésée, le feuilleton d'Ulysse et le troisième, le feuilleton d'Hermès, non, c'est Hermès, Thésée, Ulysse dans l'ordre de parution. Ce sont des grands albums avec des magnifiques illustrations. Eh bien, on l'offre à une famille entière. C'est un peu cher, mais moi, je l'ai offert des familles entières. On peut le lire tout haut à des enfants de maternelle. Et il va encore faire plaisir à des collégiens. On va pas se priver, on va faire une belle édition. Et de plus, les illustrations, elles peuvent être soignées, elles doivent être soignées. Vous verrez les originaux si vous allez voir l'exposition de l'École des loisirs. C'est intéressant parce qu'on voit, aussi d'ailleurs l'inspiration de ces illustrateurs. Reconstituer le double atelier de Grégoire Solotareff et de Nadja, qui sont frères et sœurs, ce que j'ignorais. Eh bien, on voit des livres sur Memling, sur les peintres italiens, sur Matisse, on voit les contes et légendes, on voit beaucoup de choses dans cet atelier. Donc, ce sont des gens cultivés et ce n'est pas pour rien que leurs albums sont réussis ensuite. Donc, ces illustrations, elles ne vont pas être forcément mignonnes, gnangnantes, doucereuses, ni agressives. Mais c'est intéressant quand l'enfant peut repérer, quand on peut lui expliquer quelle est la technique d'illustration. Ça peut être du dessin, ça peut être de la gravure, du pochoir, des monotypes, des collages, des photomontages, n'importe. L'important, c'est que ça soit lisible et cohérent avec le texte.
De même, au niveau typographique, les magnifiques cursives de Babar, on les a encore en tête, elles sont magnifiques. Et donc, il faut que les enfants puissent tout de suite accéder au texte. Si le texte est écrit avec 100 majuscules, ça se fait moins, mais c'est la mode des années 70. Le moins de césures possible, le moins de phrases à cheval sur deux pages, des beaux interlignes, tout ça, ça compte. Ça compte et on le voit quand c'est réussi. On voit pas toujours, on comprend pas toujours pourquoi c'est raté, mais quand c'est réussi, c'est magnifique. Donc, on a besoin de cet aspect esthétique du livre et en même temps, dès que le livre est illustré, de l'adéquation entre le texte et l'image. Ça se voit plus dans les albums documentaires où souvent, le texte est trop complexe et l'illustration trop simple, ou le contraire, mais c'est souvent dans ce sens-là. Les traductions de l'américain, c'est du texte délayé, qui est plat, qui est fade, et des illustrations souvent parfois violentes. Donc, c'est bien quand on a une adéquation entre les deux. Alors, c'est pareil, les traductions, quand on traduit, le livre est déjà pré-maquetté. Donc, les illustrations sont posées et on doit faire rentrer le texte dans un petit carré. Donc, c'est pas toujours facile parce que si on traduit de l'anglais en français, on a besoin d'un peu plus de place, un peu plus difficile. Si on traduit de l'allemand, c'est plus facile parce que le français est plus court. Donc, ça va mieux. Donc, tout ça, il y a aussi des contraintes techniques. Mais bon, ça, on arrive toujours quand même à faire le point là-dessus. Et en effet, un bel album, c'est un album dans lequel les illustrations complètent le texte plus qu'ils ne le paraphrasent. Dans Babar, vous avez des images qui sont différentes de celles du texte. On voit autre chose. Les petits lapins de Beatrix Potter, c'est la même chose. On voit autre chose. Pareil, ils ont été coupés, ceux-là. On a supprimé des pages pour que ça coûte moins cher. Comme les litres, vous savez, ça passe de 2 litres à 1 litre 75. Et bien là, ça passe de 32 pages à 28. C'est un peu dommage. Donc cette langue française aussi, qui est la nôtre, moi j'essaye de la préserver, de l'encourager, de l'embellir, pourquoi pas. Donc on va accorder de l'importance à cette langue, d'autant plus quand on lit le texte à un petit, on le lit tout haut, et quelquefois c'est pas si fluide que ça. Donc on va éviter les textes indigents, les textes vulgaires, les textes incorrects. Moi j'avais trouvé dans une bibliothèque un livre qui s'appelait « Confiture de cactus », et j'avais un extrait. « J'ai pas eu le temps de la traiter de sale crotte de nez, de mouche à bouse ou de petite verrue tordue qu'elle avait déjà claqué la porte. » Bon, c'est amusant, les pipi-caca, ça amuse un peu, mais je pense que quand on est parent ou grand-parent, eh bien, on laisse les enfants les découvrir à la bibliothèque, on regarde en vitesse, et puis on passe à autre chose. À autre chose aussi, en tout cas pour moi, je n'ai pas offert à mes petits-enfants, ni papa porte une robe, ni Mehdi met du rouge à lèvres, parce que je pense que ce n'est pas des problématiques pour les enfants de 5 ou 6 ans. C'est une problématique qu'on a le temps de leur expliquer beaucoup, beaucoup plus tard. Et puis, pourquoi pas parler bébé? Parce qu'en fait, les enfants savent très bien que le texte écrit, ce n'est pas la langue de tous les jours. Ils ne s'en formalisent pas. Ils sont capables de mémoriser énormément de mots et c'est tout petit qu'on va en profiter. On va leur apprendre énormément de mots nouveaux. Et là, on a justement dans la préface du Prince Pipo, Pierre Gripari, qui raconte, il décrit une petite histoire inconnue. Il va raconter une petite histoire. Alors, les passants ne la voyaient pas car elle était invisible. Ils ne l'entendaient pas car elle était inaudible. Ils ne la sentaient pas car elle était impondérable. Et Gripari le dit, mais tous ces mots difficiles sont dans le dictionnaire. Donc, vous cherchez, ou on vous les expliquera, mais pourquoi se passer de inaudible et impondérable? C'est justement en lisant des histoires qu'on va les apprendre aux enfants. Et puis, ces grands auteurs de la littérature classique ont aussi écrit pour les enfants, et même s'ils sont parfois un peu démodés, eh bien, ils ne sont pas tant que ça. Notamment, on va revenir à Hetzel, qui avait sollicité Balzac, Dumas, Sand, de Nodier pour écrire des romans et des nouvelles pour les lecteurs. Et c'est les jeunes, c'est lui qui a édité Les Lettres de Montmoulin, Une petite chose, par exemple, de Daudet, c'est pour lui. Face à Hetzel, on a Paul Hartmann, qui avait lancé une collection Les grands écrivains pour les petits-enfants, dont André Mauroy, qui signe Patapouf et Filifère, par exemple, et les Contes du chat perché de Marcel Aimé. Moi, je les ai relus il y a très peu de temps à mes petits-enfants, les Contes du chat perché, mais ça fait un tabac. Ça plaît énormément. C'est magnifique. Oui, on ne devait plus à la ferme, oui, on n'a plus de vaches ni rien, mais franchement, la boîte de peinture, quand vous voyez en plus l'animal, le blanc sur fond blanc, et que vous pensez à l'art contemporain, ça fait hurler de rire, en fait. Mais c'est très, très drôle. Et c'est lui aussi qui a édité, donc, Hartmann, Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
Donc tout ça pour vous dire que ces grands auteurs finalement ne sont pas si démodés que ça, mais il faut-il encore savoir que leurs livres existent. Et notamment, je vais revenir aussi à une autre citation, c'est de François-Xavier Bellamy dans un livre sorti l'année dernière, qui dit « Le meilleur des livres est celui qui ne se contente pas de me procurer un plaisir en venant satisfaire mon attente. Au contraire, il la surprend, la dépasse, me tire hors de mon état initial. C'est en me dépassant à sa lecture que je m'approche de ce que je suis, de ce que je pense, de ce que je vis. » Donc le livre, oui, il doit aller plus loin que les simples désirs immédiats des enfants. Parce que le livre, finalement, ne doit pas devenir un fossile pesant face au texte dématérialisé. Et je disais que maintenant, pour remettre les cadres dynamiques mais épuisés en face des trous, eh bien on propose de la bibliothérapie. On propose à ces messieurs qui n'ont pas lu de livre depuis leur terminale, généralement, eh bien de s'asseoir et de prendre un livre. Donc je pense que si on commence par lire aux enfants, c'est pas plus mal, ça leur évitera des déboires plus tard. Alors cette lecture, évidemment, elle ne va pas être une lecture savante, c'est une lecture de loisir aussi, pas seulement de culture. On ne va pas leur mettre un entonnoir pour leur faire avaler la littérature classique, bien sûr. Mais finalement, ce patrimoine littéraire, on le retrouve dans tous les domaines culturels. Ce que je disais, les beaux-arts, la musique, la danse, tous les récits, les mythes ont inspiré non seulement les romanciers, mais les sculpteurs, les peintres, les scénaristes, les chorégraphes. Comment comprendre un opéra, comment comprendre un film si on n'a pas déjà quelque part un petit peu d'imprégnation de ces contes et des légendes? On y trouve beaucoup de choses. On y trouve aussi, ben, finalement, souvent des bienfaits psychologiques. Et on comprend beaucoup d'autres œuvres artistiques quand on a lu des contes et des légendes. On a Offenbach avec Barbe Bleue ensuite, on a Cendrillon de Rossini, dont je ne prononcerai pas le nom en italien parce que je vais me tromper, La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, L'oiseau de feu de Stravinsky, et puis beaucoup plus tard, évidemment, Le Faust de Goethe ou Le Tristan de Wagner, ça c'est pour les plus grands. Donc, toutes ces œuvres, on va les appréhender avec beaucoup moins d'inquiétude quand on aura été familiarisé avec elles depuis qu'on est petit. Et donc, ben, Perrault, Grimm et Andersen sont toujours à lire et à relire. Alors malheureusement, ben, les contes et légendes de Nathan actuels, il y en a très peu qui sont vraiment sympathiques, leurs couvertures ne sont pas très belles, mais il y avait 150 volumes dans la collection, donc vous les trouvez, les contes et légendes de chez Nathan, avec la couverture blanche à ligne dorée, ou beaucoup plus anciens, vert et rouge ou orange, mais ceux-là sont moins attirants. On peut-être en rester à ceux qui sont blancs avec le petit bord doré qui plaît beaucoup. On les trouve partout, donc, sur les quais, dans les brocantes, quelques euros. Vous trouvez à 5-6 euros déjà, c'est cher, un petit peu moins cher quelquefois. Autre ressource, bien sûr, après les contes et légendes, ben, c'est l'Antiquité, toujours, l'Antiquité grecque et romaine. Je parlais tout à l'heure ben, des trois feuilletons de Muriel Zach. Il y a un livre très amusant pour les plus grands qui s'est complètement mytho, d'Annie Colonia. C'est un petit livre de deux poches, mais avec des illustrations en couleur. C'est une femme très intelligente. Elle a présenté les dieux de l'Olympe sous forme d'entretien. Donc, ils s'interrogent les uns les autres. Et en fait, tout ce qui nous semble inventé est vrai. Et plus ça nous semble loufoque, plus c'est vrai. Donc, enfin, plus c'est vrai, plus c'est conforme au mythe, évidemment. Donc, c'est très, très bien ficelé. Et beaucoup de livres actuels sortent, parce qu'évidemment, maintenant, avec le grand débat sur le grec et le latin, on voit arriver une foule d'ouvrages, comme par hasard, sur la mythologie, pour bien montrer quand même que on ne doit pas oublier tout ça. Donc, les valeurs morales, alors ça, c'est un débat qu'on pourra avoir tout à l'heure, parce que je pense que tout le monde a un petit peu sa propre vision des choses. Alors là, évidemment, en littérature de jeunesse, les premiers livres, pour eux, c'était des catéchismes et des livres de morale. Donc là, on était dans la morale jusque vraiment à 100%, et c'était de la pédagogie pure, donc former le cœur, éclairer l'esprit, avec parfois des préoccupations moralistes un peu appuyées. Moi, j'ai retrouvé dans des stocks d'une vieille tante, La salle d'asile au bord de la mer, donc la maternelle, La salle d'asile, Adolphe ou l'arrogant puni, écrit en 1846, et une institutrice à Berlin, enfin des livres pieux et qui sont d'un ennui vraiment abyssal. En revanche, qu'est-ce qui sort en 1912? Eh bien, c'est la guerre des boutons. Et là, la guerre des boutons, ça a été mais un scandale.
un scandale qu'on n'imagine pas parce que c'était trop naturalisme et en plus anticlérical. Donc, je ne vous dis pas, Louis Pergaud était très, très, très mal vu à la sortie. Bon, le pauvre, il est resté au champ d'honneur. Donc, depuis, il est au programme de toutes les écoles, bien sûr, parce qu'il décrivait finalement cette vie enthousiaste et brutale de vigoureux sauvageons, libérés des hypocrisies de la famille et de l'école. C'est lui qui le disait. Mais bon, cette guerre des boutons, finalement, elle a donné lieu à tellement d'adaptations ensuite, qu'elle nous semble aujourd'hui tout à fait lisible. Mais on a, en juillet 49, une loi que beaucoup d'éditeurs actuels oublient, une loi sur la protection de la jeunesse, qui est aussi faite, il faut le savoir, pour éviter d'être inondée des comics américains et des petits romans feuilletons américains qu'on trouvait très violents. Donc on essaye de limiter l'arrivée de toute cette littérature américaine qui arrivait dans les bagages des GIs. Et donc on a une loi en 49 qui dit que toute publication ne pourra comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié crime ou délit de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. C'est une loi qui n'a jamais été abrogée, qu'on se le dise. Parce qu'aujourd'hui, la liberté de création de l'auteur passe malgré tout souvent avant le respect de l'enfant. Donc en fait, cet état d'esprit des années d'après-guerre sont les années 50-70. C'est 30 secondes pour chercher. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ces Carolines de Pierre Probe, ces Clubs des Cinq, ces Clans des Sept, qui restent des valeurs sûres avec leur héros positif et une morale traditionnelle bénigne, même si de temps en temps on a des choses amusantes. La maman avait mis 3 jours à annoncer la disparition d'un enfant qu'on lui avait confié avec toute une bande de petits camarades parce qu'elle avait ses migraines. Donc elle attend 3 jours, maintenant au bout de 10 minutes vous êtes au commissariat, SOS, enfant enlevé, etc. Et bien non, les enfants ont disparu pour une chasse au trésor et on met 3 jours à s'en rendre compte. Donc ça c'est évidemment un petit peu démodé. Maintenant donc, je reviens à cette loi de 49, on a une littérature de jeunesse qui n'est pas un territoire aussi protégé que ça, mais on a facilement des climats lourds, des climats stressants, des personnages maléfiques, ça passe encore, mais souvent cyniques ou immoraux. Donc dès que le livre est un petit peu épais, notamment pour les préadolescents, eh bien, on lit avant de lire, on lit tout, d'un bout à l'autre, parce que quelquefois c'est à la fin que se trouve le petit coup de patte, et puis c'est une affaire de bonne éducation et de bon sens. Donc là, vous avez aussi des soutiens, des blogs, il y a 1, 2, 3 loisirs, par exemple, aussi, qui fait des très bonnes sélections. Et vous avez quand même, nous avons tous pour rôle d'aider l'enfant ou l'adolescent mais à découvrir le sens de la vie, à dépasser certes son égocentrisme, mais pour aller quand même dans une direction saine. Qu'on lui fasse prendre conscience de ses difficultés ou de ses angoisses, c'est une chose, et Poil de carotte, on le sait, c'est très difficile à lire, mais en même temps, on doit lui proposer des solutions positives. Positive en fin de texte, je pense qu'un roman pour enfants ne doit pas se terminer de manière abrupte par des choses abominables. Donc on va leur offrir des héros positifs et des messages positifs, même humoristiques. On doit, dans un livre d'humour, on doit pouvoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux, même si finalement, quelquefois, bien sûr, c'est beaucoup plus drôle de faire des bêtises, mais bon. Donc cette formation, c'est la formation de la personnalité et du caractère. Donc, les héros antiques, les grands découvreurs, ça fait toujours plaisir aux garçons d'aller sur des grands bateaux. Les romans scouts, les chiens de traîneau, les Terre-Neuve, tout ça, ça marche très bien. Et les biographies de grands personnages, tout ça, c'est parfait pour filles et garçons d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucun problème là-dedans, bien sûr. Et donc, on va les aider finalement à devenir des lecteurs avec des livres passionnants et merveilleux. Parce que le merveilleux, c'est aussi une belle porte vers le rêve. Finalement, que l'univers décrit soit réaliste ou imaginaire, peu importe. Hein, je ne veux pas faire du...
du moralisme à la petite semaine où on doit forcément prendre le bus 42, etc., etc. Non, on peut prendre aussi le train sur le quai 9 bis, hein, ou 9 un quart, je ne sais plus, quand on lit les livres de Harry Potter. Donc, on peut les lire, mais les règles de vie, les règles de justice ne doivent pas être transgressées pour le plaisir de les transgresser. C'est quand même, je pense, que si le dénouement de l'histoire est heureux, eh bien, on va développer chez les enfants une belle vertu qui est la vertu d'espérance. On ne peut pas leur donner un monde noir et sombre tout de suite. On le sait, il y a un petit peu, mais on ne doit pas être d'un pessimisme prématuré. Si les enfants abordent la vie avec confiance, on les aide à se construire. On ne doit pas leur couper les ailes et donc toujours revenir, finalement, cette invitation au voyage, mais cette invitation à imiter les héros positifs pour grandir et devenir des adultes en bonne santé psychique. Donc, je vais laisser un petit peu de place au débat pour conclure. Donc, je vais vous rappeler donc ce fameux carré magique qui dit donc pour moi que le livre est un objet esthétique qui doit éveiller l'enfant à l'art. Il doit respecter et honorer la langue française, le vocabulaire, la syntaxe, la poésie, et qu'un bon livre, c'est d'abord un livre écrit dans une belle langue. De troisième côté de ce carré, le livre doit s'accorder aux valeurs morales et aux repères traditionnels de notre société, non pas par conformisme pur et simple, mais pour aider l'enfant à construire sa personnalité d'une manière équilibrée. Et puis, dernier côté, ce livre, pour moi, doit être lumineux et proposer des mondes imaginaires optimistes, car c'est un livre qui forge le caractère, qui forme l'esprit et la sensibilité. Donc là, je pense qu'avec tous ces éléments, on va en reparler lors du débat, j'espère que vous aurez des questions à me poser, il faut se forger un petit peu sa propre vision du livre de jeunesse. Les listes toutes faites, c'est bien, celle de l'éducation nationale, quelquefois, pas toujours, mais des listes, ça ne vous donne pas l'adéquation entre l'enfant et le livre. Les enfants, c'est nous qui les connaissons, et on ne va pas donner la même chose. Eh bien, une petite fille de 10 ans, un petit garçon, un garçon de 15 ans, même s'ils sont frères et sœurs, ils ne vont pas forcément lire les mêmes livres. Mais l'important, c'est donc de leur montrer que le livre est quelque chose qui leur est nécessaire, pas seulement la lecture sur des écrans, que le livre en papier leur est nécessaire, que c'est un objet de transmission fondamentale, et donc qu'on doit nous aussi les gâter en leur offrant des beaux livres. Ça ne sera pas les pourrir, ça sera leur faire de grands plaisirs. Je vous remercie, et puis j'essaye de cesser de parler toute seule, et j'espère que vous aurez maintenant quelques questions pour ce débat. Merci beaucoup. À vous. moi, j'avais une question, en fait, parce que bon, moi, je suis intervenant, enfin, je suis enseignant en libéral. Oui. Pour des enfants, je fais du soutien scolaire. Oui. Et alors, il y a un critère pour moi aussi qui est très, très important, c'est le niveau de la langue française du livre aussi. Oui. Parce que, et il doit être adapté à chaque enfant, en fait, si vous voulez. Oui. Ce que je regarde, c'est, oui. c'est, je lui demande qu'est-ce qu'il lit. Oui. Alors, souvent, c'est souvent, ils sont souvent sur le même... jusqu'à la sixième, cinquième, fragile, sur des bandes, souvent, fragile. Bandes dessinées, oui. souvent. Et j'essaie, si vous voulez, parce que donc dans la bande dessinée, il y a beaucoup d'illustrations, peu de textes. Oui. Et en fait, je les amène petit à petit à prendre des livres où il y a un petit peu plus de textes et moins d'illustrations. Oui, mais alors le problème sur des bandes dessinées, c'est qu'en fait, la typographie est fatigante à lire. Et le fait que ça soit dans les bulles, certaines bandes dessinées sont à la limite du lisible, au niveau du décryptage, hein, pur et simple. Oui. Hein. Alors c'est vrai aussi qu'avec selon les méthodes de lecture dont ils ont été victimes pour certains, la lecture n'est pas forcément fluide, et puis s'arrête sur les mots, c'est clair. Oui, donc ça indique, si vous voulez, c'est un indicateur oui, de savoir ce qu'ils lisent, leur niveau de lecture réel. Oui, oui, oui. Donc, mais si vous voulez, l'idée c'est que moi, je les amène petit à petit à un niveau de lecture où ils puissent lire presque à un moment où ils puissent lire que du texte et presque pas d'illustration. Alors, oui, ce qui est bien aussi souvent quand un enfant ou un adolescent a un peu de mal, c'est de leur lire le début. On lit une page chacun. On lit le premier chapitre et puis on fait un, lui il lit le deuxième, on lit le troisième, ça avance. Comme ça, on avance. Et c'est vrai que maintenant, les livres en littérature jeunesse arrivent tout de suite dans le vif du sujet. On ne peut plus avoir ces introductions de 7-8 pages. Je regardais un sans-atout, vous savez, cette collection de Boileau-Marcejac, les sans-atouts, mais les 15 premières pages d'introduction, elles sont casse-pieds.
Honnêtement, on n'entre pas dans... Et même nous, on voudrait entrer tout de suite dans l'aventure. Donc si on leur lit le début, et on leur dit, ah maintenant c'est toi qui continue. Et souvent le déclic arrive là aussi. Mais vous avez... moi je suis pas spécialiste en bande dessinée, donc je pense que ça peut être intéressant un jour d'inviter un spécialiste de bande dessinée. Moi, c'est quelque chose que je connais mal, j'en suis restée un petit peu au petit Spirou, au Schtroumpf et à Lucky Luke. Donc je connais mal la bande dessinée moderne, mais c'est vrai que pour les enfants c'est important. Ah oui. Vous parlez livres, est-ce que vous n'avez absolument pas abordé, mais c'est peut-être volontaire, les petites revues pour enfants? Alors j'en ai pas parlé là, non, c'est pas volontaire, c'est seulement parce que j'avais un temps un peu limité. Non, voilà. Donc il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, il y a de tout et du reste, moi dedans. J'en ai vu quelques-unes, je les connais pas assez bien. Je sais pas si vous en avez, vous, quelques-unes à promouvoir. J'ai vu mes enfants lire, par exemple, comme Dapi, Abricot, etc. Et je vois que les générations actuelles, maintenant je suis grand-mère, oui. Donc 4 ans, c'est Rebelote, Pomme d'Api, oui. Etc. Donc, oui, ça, les enfants aiment bien recevoir un journal, voilà, dans leur boîte à lettres. Ouais. Alors pour les petits anglophones, il y a un truc qui est très 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 bien fait, c'est Discovery Box. Et qui est fait normalement pour les petits collégiens, mais en fait quand les enfants sont bilingues ils les lisent très tôt, c'est très bien fait parce que c'est très honnête, voilà. Mais c'est vrai que les petites revues pour enfants, les enfants les aiment bien. Bon, après quelquefois on aime ou on n'aime pas, puis il y en a qui sont un peu trop pédagogiques, c'est à mon avis, enfin, j'aime bien mais c'est un peu compliqué, les petits Léonard, virgule, etc. C'est plus fait pour la médiathèque, je pense, que pour la bibliothèque de classe. Pour les CDI de collège. Pour les CDI de collège, voilà. Ça vise exactement ça. Faton, oui. Faton a fait ses 5 titres vraiment pour les collèges. Voilà. Et les collèges souscrivent 1, 2, 3 ou 4 ou 5 titres s'ils peuvent en fonction de leur budget, mais ça c'est des revues spécialisées. Oui. Par opposition aux magazines qui vont être un peu tout. Voilà. Mais bon, moi je connais très bien parce que ça fait 15 ans que je suis documentaliste au collège. Et en collège, il y a des titres qui sont. Il y a deux titres qui sont un peu en concurrence. Il y a Le Monde des. Qui s'appelle Le Monde des ados, je crois. Oui. Et puis Okapi, qui sont tous les deux des bimensuels, donc deux fois dans le mois. Mais en fait, par moment, moi j'étais abonnée à un titre que j'ai laissé tomber parce que je trouvais qu'il devenait trop vulgaire avec des BD trop pénibles. J'ai pris Okapi. Puis après, parfois, en ce moment, Okapi présente un Titeuf qui n'a aucun intérêt, une bande dessinée de Titeuf en cursive régulière. Et j'ai presque envie de me désabonner à Okapi, de réessayer Le Monde des ados. Parce qu'en fait, c'est difficile pour un titre de rester, de garder la même qualité. Alors que Pomme d'Api, le monde éditorial est très, très, très exigeant derrière. Oui. Et donc, tout est pensé dans Pomme d'Api. Oui. Les mots sont pesés, l'histoire est réfléchie. Et il y a peut-être plus d'attention portée à la qualité d'une revue comme Pomme d'Api, qui est un mensuel pour les 3-7 ans, je crois, c'est ça. Plutôt que les revues pour ados, et on laisse finalement pas mal de liberté. Moi, je vois aussi que le traitement de l'actualité est souvent tellement simplifié, il en devient caricatural, d'un conformisme, il n'y a aucune lecture critique de l'actualité. C'est encore plus conformiste que la presse quotidienne et la télévision réunie. Ouais. C'est pas peu dire, donc ça... doit développer prétendument le sens critique, en fait pas du tout. Ça les intègre dans une mode de pensée qui est quelquefois un peu univoque. Donc là ou alors faut discuter avec les enfants, mais peut-être un peu faire attention pour certains, pas tous hein, mais quelquefois on a un traitement un peu simpliste, disons. Pour revenir sur votre carré magique, je crois qu'on ne peut pas forcément garder les quatre points quand on parle de la littérature ado, parce qu'il n'y aura pas le côté beau du livre. Oui, tout à fait. Il y a juste la couverture, mais il ne faut pas s'arrêter quand même à la couverture. Et moi, je pense qu'on ne peut plus trop s'attacher à la forme quand on parle de littérature ado, mais plutôt au fond. Ah oui, sur les ados. Très, très vigilant sur les idées qui passent. Oui. Mais si la forme est un peu orale, s'il y a des négations qui sautent, s'il y a des choses comme ça, je pense que c'est moins grave que le fond de l'histoire, il y a des choses, des idées vraiment fausses, mauvaises, qui circulent, qui sont banalisées. Oui, voilà. Tout à fait. Non. Et du coup, je ne pense pas qu'on puisse être autant attaché à la forme physique et à le niveau de langue. Oui. Quand on s'intéresse surtout de passer des bonnes idées à nos ados et des choses positives, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur le côté qu'il ne faut pas les désespérer, quoi. On a le devoir de leur transmettre l'espérance. Et là, il y a aussi en fait des livres qui sont un petit peu
qui sont assez amusants. Ils viennent sortir un roman très drôle de Cap et de Meaux. C'est Florence Lescaut, qui est très drôle parce que c'est plein de jeux de mots. Un mot tordu à côté, c'est de la gnognotte, hein, parce que là, c'est même carrément. C'est pas le même niveau, mais je veux dire qu'on va carrément dans la contrepétrie. Oui. Il y en a quelques-unes qui sont un peu grivoises. Ça peut, mais c'est très, très, très drôle. Alors, ça, c'est un français, mais réjouissant à lire. C'est un lettres. Oui, mais c'est réjouissant. Oui, mais elle pontifie pas. C'est réjouissant. C'est plein d'astuces. C'est très fille. Oui, certes. C'est plein d'astuces et le niveau de langue, mine de rien, est assez soutenu tout en étant. Voilà, ça joue bien. Et qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux garçons, alors, justement, dans les collèges? Parce que c'est un petit peu. C'est toujours. Les filles, on en a des paquets. Oui, hein. Pour les filles, on a l'embarras du choix. Oui. Et ben, pour les garçons, moi, c'est certains auteurs que j'aime bien. Oui. En fait, j'aime beaucoup, par exemple, pour le collège, Morpurgo. Et même aussi pour les fins de primaire. De primaire, oui. Michael Morpurgo, qui est un auteur anglais, qui est traduit chez Gallimard. Oui. Une fois par an, il sort un Morpurgo. Et en général, le fond, la forme, les idées. Morpurgo, c'est vraiment un auteur anglais que j'aime beaucoup. Alors, ça ne plaît pas toujours à tous les élèves. Et puis, parfois, il y a des Morpurgo qui sont pour les CM1, d'autres qui sont pour les 4e. Il faut voir le public. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, chez Gallimard, il doit y avoir 20 titres. Oui, il y en a énormément. Non, facilement. Oui. Et donc, vous pouvez lire du Morpurgo pour un enfant qui choisit un truc qui lui va. Roald Dahl, moi, j'aime bien Roald Dahl. Oui, avec des astuces avec Mathilda, c'est quand même incroyable. Non, tous les Roald Dahl, les enfants, se régalent. Qu'est-ce que j'aime pour le collège? Bon, ils aiment bien Horowitz, ils aiment bien Rowling. Oui. Je pense que des titres traduits, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il y a en français? Il y a Eric Lom qui écrit bien aussi. Eric Lom, c'est pas mal, Eric Lom. Moi, j'aime beaucoup les trilogies, aussi un autre auteur qui n'a pas tant écrit que ça, mais qui est Mourleva. Oui, oui. Mourleva a une très belle langue. Une très belle langue. Alors après, chez Mourleva, il y a beaucoup de choses, donc là aussi, il faut un peu choisir en fonction du... Mais, marche moi un peu par hauteur, mais oui, par hauteur, pour les sixièmes. Oh, bah oui, les sixièmes, les cucu, les pépécu verts et autres. Le là, dernier, c'est très charmant. Tout ce qu'il a fait, c'est oui, oui. Et puis il y a toute la littérature de voyage aussi, en fait, qui est assez vite accessible. En fait, on pour les adolescents, peut-être un peu plus fin de collège, début de lycée. Ouais. Je trouve qu'il y a pas mal de choses en littérature d'aventure. Oui, ils aiment bien les biographies de grands explorateurs. D'explorateurs, voilà aussi. C'est Nesman qui a sorti pas mal de choses chez Flammarion, par exemple. Mais avec des albums aussi, d'ailleurs. Il y a de beaux albums de Nesman, avec des belles illustrations. Aussi des documentaires. Oui, oui, albums documentaires un peu je pense. Mais aussi des documentaires, il y en a de moins en moins. Oui, parce que c'est... À cause d'Internet. On va chercher sur Wikipédia et hop, on a tout ce qu'on veut. Mais... Et pourtant, c'est dommage parce que... Les éditeurs produisent de moins en moins de... Alors, Fleurus a fait toute sa série des grands albums, là, qui sont très inégaux. Oui, les illustrations chez Fleurus laissent un peu à désirer. Ouais, moi, j'aime pas trop non plus. Enfin, bon. C'est un peu... Mais en fait, moi, depuis mon expérience, depuis 15 ans que j'achète des livres pour mes élèves, et mes élèves, j'ai déjà deux générations de gamins qui sont passés de la 6e à la terminale, parce que c'est 7 ans. L'édition a perdu beaucoup en documentaire. Après, les textes, les fictions, c'est très inégal. Il y a toujours des choses formidables. Oui, il y a toujours. Déplorables. Voilà. Il y a de tout. Et du tout, médiocre. Bien sûr, beaucoup de choses médiocres. Mais bon, ça, c'est pas très, très grave. C'est pas malsain. Oui. Mais par contre, on peut toujours trouver des pupitres à chaque année. On peut ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, quand si on favorise un auteur, si on achète ses livres, un auteur contemporain, si on achète ses livres, si on le promeut, son éditeur va s'en rendre compte très vite. Parce que les tirages ne sont jamais énormes. Hein. On a beau avoir énormément de titres au départ. Le premier tirage sont petits. Donc si tout de suite on fait de la promotion pour le livre, qu'on le favorise, l'éditeur, ça va lui sonner à l'oreille. Et puis après, il va commander peut-être la série suivante ou un autre titre. Donc il ne faut pas hésiter à promouvoir les auteurs qu'on trouve intéressants, les beaux livres. C'est vraiment important. Pas se confiner dans ce qu'on a lu, nous, autrefois, parce que c'est pas possible. C'est démodé, c'est pas possible du tout. Ça met beaucoup trop de temps à démarrer. Ah bah oui, bien sûr. Non, il faut rester dans le... Et ils ont le droit, aujourd'hui, de lire des livres qui leur plaisent aujourd'hui, en 2015. Sûr, c'est pas obligé d'aller chercher des vieux Jeanne ou je sais pas. Ça, quand même, c'était ma grand-mère. C'était quand on avait vraiment rien d'autre à lire.